Lorsque la Légion Rouge nous a attaqués, nous avons failli tout perdre. Il a fallu un miracle pour nous sauver. Le réveil du voyageur. Ceci est notre nouveau départ. Les cartes sont vierges. Les règles ont disparu. Tout ce que l'on sait, c'est que nous devons surpasser ce que nous étions. Ce petit coin de cosmos est le seul lieu qui nous appartient à jamais. Et l'univers nous observe d'un œil envieux. Nous avons prouvé pouvoir combattre des menaces venant d'autres étoiles. Mais maintenant, certaines choses se réveillent sous nos pieds, provoquées par la lumière du voyageur. Notre guerre ne fait que commencer. Des pierres sinistres, des robots tueurs, des gens en danger de mort. Sérieux, vous vous lassez jamais? La fatigue nous éloigne de notre objectif. Et se plaindre aussi. Oh, j'ai même pas commencé à me plaindre. Aïe! Oh, maintenant je peux me plaindre. Concentrez-vous, Sagira. Vers les étoiles, mon grand. La facelle! Besoin d'aide? Encore? Je m'en occupe, merci. Eh bien? Osiris? Qu'avez-vous vu? Doucement! Attendez. Je pensais que... Ne restons pas là! À gauche! À deux heures! Moyenne portée! Pas besoin de me remercier! Vous savez, je ne peux m'empêcher de constater que même si on peut explorer des tonnes de réalités, vous choisissez toujours celle où on se fait tirer dessus! Nous ne pouvons pas rester là! Si les Vex réussissent, c'est la fin de toute chose! Il détecte votre lumière. Vous devez partir. Non, je vous laisserai pas. Sans moi, vous ne pourrez jamais revenir. Si je n'arrête pas les Vex, il n'y aura aucun endroit où revenir. C'est pour nous deux que je fais ça. N'y pensez même pas. On dirait.
gardienne. Merci d'être venue. Il y a du nouveau sur Mercure. Des rapports étranges provenant des fanatiques qui s'accrochent à ce qu'il reste de la planète. D'ordinaire, j'ignore leur théorie du complot. Mais un de mes clandestins m'a apporté... ceci. Un spectre défunt ? Elle n'est pas morte. Elle se nomme Sagira. Je la connais depuis bien longtemps. Ainsi que son gardien. Osiris. Le véritable Osiris ? Le plus puissant de tous les gardiens ? Le héros des six fronts ? Le Zavala avant l'heure ? Zavala n'aimerait pas que vous l'appeliez comme ça. La plupart des gardiens n'osent prononcer le nom d'Osiris. C'est le seul commandant de l'avant-garde à avoir été exilé de la cité. Et c'est lui qui m'a appris ce que cela signifie d'être une arcaniste. Nous avons trouvé Sagira sur Mercure, et au même moment, l'activité Vex s'est fortement intensifiée. Et vous pensez qu'Osiris pourrait être derrière tout ça ? Je dois savoir ce qui s'est passé. Même si l'avant-garde préférerait l'oublier. Quand j'ai perdu ma lumière, il ne me restait plus rien. Je me sentais... si vide. Puis vous êtes arrivé sur Io, et vous m'avez aidé à reprendre mes esprits. J'ai besoin de votre amitié à nouveau, gardienne. Allez sur Mercure. Prenez Sagira avec vous. Les adeptes d'Osiris, pour ce qu'il en reste, devraient savoir ce que sa présence signifie. Et que cela reste entre nous pour le moment. Je préférerais ne pas avoir à vous jeter du haut de ce mur. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Je plaisante. Bien entendu. Le voyageur a transformé Mercure en planète remplie de jardins. C'était un paradis, jusqu'à ce que les Vex débarquent. Les Vex ont remplacé le noyau de la planète avec leur propre machine. On appelle ça la forêt infinie. C'est un labyrinthe en constante expansion, formé de multiples réalités. Deux chemins ne se ressemblent jamais, et personne n'a jamais réussi à s'en sortir. C'était l'obsession d'Osiris. Bienvenue sur Mercure, gardienne. Les signes m'avaient prévenu de votre arrivée. Quelle coïncidence. Nous avons également suivi des signes. Et quand je dis signes, je parle de faits concrets. Ça aussi, c'est un signe. Je m'appelle Frère Vance, et je fais partie des adeptes d'Osiris. Je suis gardien du phare et oracle des prophéties oubliées. Il y a un portail Vex près de l'endroit où vous êtes. Osiris l'a étudié pendant des années. Il était convaincu que c'était la porte menant à la forêt infinie. Si nous voulons avoir une chance de trouver Osiris, nous devons ouvrir cette porte. Ikorare, la plus brillante des élèves d'Osiris. Frère Vance, le plus grand fan d'Osiris.
donné que vous vénérez un homme qui remet tout en question, je suis surprise que votre foi vous serve à quoi que ce soit. L'Evex frappe à ma porte. Osiris n'est pas revenu. La foi est la seule chose qui me reste. Le portail vers la forêt infinie. Un lieu dont personne n'est jamais revenu. Pas même Osiris. Nous ne pouvons pas traverser. Peut-être que si la spectre d'Osiris était éveillée, elle pourrait nous aider. Osiris soit loué! Vous avez sa spectre, Sagira? S'il vous plaît, je vous en prie, amenez-la moi. Pas des Vex normaux.
détruisez le module. Des Vex d'autres lignes temporelles convergent sur Mercure. Ça n'est pas bon du tout. Merci. Je ne sais pas ce que je serais devenu si Osiris ne vous avait pas mené jusqu'à moi. En retour, les adeptes d'Osiris vous aideront à réanimer sa spectre. Nous avons un temple caché sur Terre. Emmenez Sagira jusqu'à ses coordonnées. Je vais prévenir les adeptes que vous arrivez. Maintenant que le phare est sécurisé, nous pouvons nous préparer au retour d'Osiris. Toutes ces prophéties sont en train de se réaliser. Je vais enfin rencontrer Osiris. Vous êtes de retour, gardienne ? Cherchez la gloire contre les Vex. Lancez-vous dans la bataille, comme le grand Osiris lui-même.
comme ça, et vous pourriez être à la hauteur des exploits d'Osiris. Les adeptes vous souhaitent la bienvenue, gardienne.
J'ai relevé de nombreux défis. L'attente du retour d'Osiris. Vérification en cours. Compris. Terminé, terminé, terminé. Au revoir. Vous cherchez quelque chose de spécial. Que puis-je faire pour vous, gardienne ? Merci de votre visite chez Everversum, gardienne. Les plans de... En quoi puis-je vous aider, Titan ? Qu'en pensez-vous ? On assistera à tout ça d'ici. Veste rouge. Banshee 44 était le dernier utilisateur connecté à ce terminal. Mais on dirait qu'il a essayé de se connecter plein de fois, comme Banshee 41. Et donc, le système l'a bloqué. Toutes ces réinitialisations ont dû lui faire perdre la tête.
jamais aimé avoir à sautiller. Un journal d'entretien tenu par une ingénieure système. Elle dit que depuis que son amie mécanicienne est partie, elle est obligée de faire le travail de deux personnes. Tout le monde a perdu quelqu'un quand les cabales nous ont attaqués. Je vérifie. Quoi puis-je vous aider ? J'ai perdu une partie de moi-même dans la guerre rouge. Ce fut le cas pour nous tous. Serons-nous capables de combler ce vide ? Voilà la question. Vous verrez que nos intérêts convergent. Sur vous. Que la lumière soit avec vous.